Brasse de fer entre le président Donald Trump et les réseaux sociaux. Un prêté pour un rendu, si ce n'est pas la guerre, c'est en tout cas l'affrontement. Donald Trump vient de signer un décret qui permettra de réguler la fameuse section 230 du communication 206-AC datant de 1996. Une loi qui donne l'immunité aux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube ou encore Google, sur les poursuites judiciaires liées au contenu posté par des tiers sur ces réseaux et la liberté d'intervenir sur ces derniers. Le président donne ainsi un outil à l'administration pour se prononcer sur les politiques de modération sur le net. À son habitude, Donald Trump a communiqué sa décision sur Twitter avec le style emphatique qui le caractérise depuis longtemps. Son nouveau décret, selon lui, garantira la liberté d'expression et les droits des citoyens américains. Les détracteurs du président y voient une manière de marquer des points dans la controverse personnelle qui oppose le président à son réseau de communication préféré, Twitter. Depuis quelques jours, la dispute ne fait qu'enfler, tant sur le fond que sur la forme. Avec son nouveau décret, Donald Trump place le bras de fer sur le terrain législatif. En pied de l'une des prises de position viriles que Donald Trump affectionne de lancer sur Twitter, le réseau social a ajouté une mention de régulation. Voici l'échange il est impossible que les votes par courrier ne soient autre chose que substantiellement frauduleux. Des boîtes postales seront volées, des votes seront fabriqués, et même illégalement imprimés et frauduleusement signés. Le gouverneur de Californie est occupé à envoyer des bulletins de vote à des millions de personnes. Assertion que Twitter a assortie de la mention chercher les faits sur les votes par correspondance. Une remarque qui a été aussitôt interprétée par le président comme une mise en doute de ses propos et, partant, une limitation insupportable de sa liberté d'expression. Une remarque du président concernant les récents événements insurrectionnels de Minipoli le tweet de Donald Trump a été assorti d'une remarque du réseau social. Ces voyous déshonorent la mémoire de George Floyd et je ne laisserai pas cela arriver. J'ai juste parlé au gouverneur Tim Waltz et lui ai dit que l'armée est avec lui de toutes les manières. En cas de difficulté, nous prendrons le contrôle. Quand le pillage commence, les tirs commencent. Merci. Une remarque qui, pour être comprise, doit aussi se placer dans le contexte du nouveau décret annoncé aujourd'hui. Si ce n'est pas la guerre, c'est en tout cas l'affrontement. Donald Trump vient de signer un décret qui permettra de réguler la fameuse section 230 du Communication 206 Act datant de 1996. Une loi qui donne l'immunité aux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube ou encore Google, sur les poursuites judiciaires liées au contenu posté par des tiers sur ces réseaux et la liberté d'intervenir sur ces derniers. Le président donne ainsi un outil à l'administration pour se prononcer sur les politiques de modération sur le net. Un prêté pour un rendu à son habitude, Donald Trump a communiqué sa décision sur Twitter, avec le style emphatique qui le caractérise depuis longtemps. Son nouveau décret, selon lui, garantira la liberté d’expression et les droits des citoyens américains. Les détracteurs du président y voient une manière de marquer des points dans la controverse personnelle, qui oppose le président à son réseau de communication préféré Twitter. Depuis quelques jours, la dispute ne fait qu’enfler, tant sur le fond que sur la forme. Avec son nouveau décret, Donald Trump place le bras de fer sur le terrain législatif. Trump, le vote postal sera frauduleux en pied de l'une des prises de position viriles que Donald Trump affectionne de lancer sur Twitter. Le réseau social a ajouté une mention de régulation. Voici l'échange. Il est impossible que les votes par courrier ne soient autre chose que substantiellement frauduleux. Des boîtes postales seront volées, des votes seront fabriqués et même illégalement imprimés et frauduleusement signés. Le gouverneur de Californie est occupé à envoyer des bulletins de vote à des millions de personnes. Assertion que Twitter a assortie de la mention Cherchez les faits sur les votes par correspondance. Une remarque qui a été aussitôt interprétée par le président comme une mise en doute de ses propos et, partant, une limitation insupportable de sa liberté d'expression. Réponse du berger, une remarque du président concernant les récents événements insurrectionnels de Minipoli, le tweet de Donald Trump a été assorti d'une remarque du réseau social. Ces voyous déshonorent la mémoire de George Floyd, et je ne laisserai pas cela arriver. J'ai juste parlé au gouverneur Tim Waltz, et lui ai dit que l'armée est avec lui de toutes les manières. En cas de difficulté, nous prendrons le contrôle. Quand le pillage commence, les tirs commencent. Merci. Une remarque qui, pour être comprise, doit aussi se placer dans le contexte du nouveau décret annoncé aujourd'hui. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.